Au début des années 1900, l'usine de pâte mécanique, aussi appelée pulperie, va progressivement remplacer les deux scieries de Buckingham. Érigée en contrebas de la rue George, la pulperie McLaren sera en fonction jusque dans les années 30, où elle sera modernisée pour devenir ce qu'on appela le slasher. C'est à cette époque qu'on replaça les anciens mécanismes pour empiler les billes par des empileurs modernes. C'était des empileurs avec des grosses chaînes que le bois arrivait là, puis on pouvait les diriger comme on avait plusieurs tas de piles de bois. Puis les stackers, c'était comme des grosses chaînes qui montaient le bois dans les airs, puis que ça tombait pour former la pile. L'usine sera détruite en 1960, mais les vestiges peuvent toujours être vus sur la rive ouest de la rivière. Ici, on peut voir l'escalier qui servait pour faire des inspections sous les piles de deux pieds ou les réparations. C'est un escalier en béton qui nous permettait de se rendre sous les piles puis pour vérifier le mécanisme du convoyeur, l'inspection, réparation, ainsi de suite. Le convoyeur se situe en dessous des piles de deux pieds qui amenaient le bois de deux pieds à la meulerie pour passer dans les pierres qu'on peut faire de la pâte. Au début de la saison, ça allait bien parce qu'on les faisait tomber, ça tombait puis ça s'empilait, mais plus ça allait, plus nos piles étaient trop pleines. Fait que là, il fallait installer des grosses tables pour enligner le bois ce qu'on voulait l'avoir à partir du la place la plus haute des stackers pour pouvoir faire les piles encore plus grosses. La technologie de ces grues a été dupliquée à l'usine McLaren de maçons de l'époque. Elles ont été en fonction jusqu'en 1993, puis éventuellement remplacées par des modèles plus modernes.